tous, bonsoir, parce qu'il fait déjà nuit chez moi. Punaise, et que 5h30, il fait déjà nuit. On se rejoint ici aujourd'hui pour un haul spécial. Ah, ça c'était ma main. Noël. Donc, je suis même pris un paquet de lingettes parce que j'étais au Primark et il pleut. Donc, le sac Primark, il s'est cassé. Du coup, quelques affaires sont sales. Donc, on va les nettoyer en même temps. On va commencer, donc, j'utilisais Primark. Donc voilà. Oh là 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 là. Le sac qui a pété. Génial hein. Ça doit être mon frère. Donc on va nettoyer. Dans ce sac là, il avait. On va nettoyer. Punaise, ils sont trempés sur le sol. Une jolie trousse. Magnifique. Trousse. Ah, c'est des fils noirs. J'ai eu peur. De la fée clochette. Elle brille. Voilà. Elle était à 5 euros. Après, on va couper toutes les étiquettes. C'est bien. Avec ça, il y avait la jolie trousse Belle. De Belle et la Bête. C'est marqué en anglais, c'est trop marrant. Ça, je crois que je vais utiliser pour le Japon pour mettre des yens dedans. Comme elle est mignonne. Elle est petite aussi. Donc, comme ça. Celui-là m'a coûté 4 euros. Il y a la place pour mettre des yens. Donc, je crois que celui-là, je vais utiliser pour le Japon. J'adore les trousses. Oh là là. Ensuite, regardez le sac, elle déchire carrément. Je sais pas comment. Ok, les sacs plastiques, on peut les réutiliser et tout, mais les sacs papier, à peine qu'ils sont mouillés, ils sont cassables. Oh là 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 là. Deuxième, oui. Troisième trousse. Je suis acheté en total 4 trousses. Différentes. C'est une trousse Harry Potter. Ouais, c'est une trousse Harry Potter. Pourquoi celui-là, le sac est là? Tadam. Elle m'a coûté 11 euros. Et en plus, c'est une trousse. Donc en total, ça fait 5 trousses parce que c'est une trousse avec une autre trousse. Comme ça, je peux mettre. Je crois là-dedans. Je crois que je l'ai aussi utilisé pour le Japon pour mettre quelques trucs. Comme des pièces ou quoi, les papiers. Parce qu'il y a déjà l'espace dans la petite et dans la grande aussi. Donc c'est pratique. 11 euros, Primark. Mon frère va venir, il va dire c'est quoi ce bordel. J'ai acheté des ongles pour Noël. Des fausses. Parce que comme je travaille, je peux mettre que des fausses. Avec petit biscuit dessus. Tadam. Par contre, je suis déçue au City 2, dans l'autre commercial de la rue 9. Il n'y avait plus d'Alice Delice. Je suis trop déçue. On continue dans Primark. Je suis acheté un patent de pyjama Harry Potter. Avec des étoiles et tout. La marque. De l'école, des sorties. Et en plus, elle est tout. Elle m'a coûté 12 euros. En plus, c'est la nouvelle collection, donc c'est bien. Chercher un pantalon, j'en ai trouvé un. Tranquille. Donc, je suis contente. Ça, c'était le premier sac qui avait pété. Aïe, je suis accrochée. Je vais acheter des marrons, mais ça, c'est pas au Primark, c'est au marché Noël. Je mangerai peut-être quelques-uns ce soir en regardant un manga. Donc voilà le sac Primark. C'est un super magasin pas cher, mais leur sac, laissez tomber. Faut y aller soit avec un caddie ou un sac plastique, mais prenez pas un sac Primark. Soit avec. Quand c'est beau temps, ça va, mais quand c'est mauvais temps. Regardez, celui-là commence à péter. Ah, bouteille d'eau, elle est vite. Ah non, il y a un sac pour me porter. Ma bouteille d'eau.
À la joie, c'est ça que ça va. Donc dans celui-là, ma quatrième trousse, aussi Harry Potter. Comme, une sorte comme la fée Cochette, mais en forme Harry Potter. Attends. Même prix, 5 euros. Après, là-dedans, des serviettes panos parce que j'ai pris un sandwich. Mais ça vient où ce bleu? Surtout, mais ça qui a un truc bleu. Ah, peut-être du. Ouais, bon, laissez trouver. En total, j'ai eu. Pour 70. Non. 67 euros. Donc en France, ça fait 57. Non. Je sais pas, forme forcément. Je suis bêche. Je dis un numéro bêche. Tu as acheté. Ça, on va mettre 2 000 par terre. Ça prend trop de place. Un pull avec griffon d'or dessus. 14 euros. Je vais mettre comme plus de pyjama aussi. Et. Et c'est tout. Et encore un pull Harry Potter. Oh, les doux à l'intérieur. J'avais pas remarqué comment les doux à l'intérieur. Celui-là. Et il m'a coûté 10 euros. Attends, 10 euros. Ouais, c'est ça. Après, au marché de Noël, sous le stand de la maison. Le sac, elle est trop belle, je vais utiliser comme sac de course ou quoi. Maison Boucher, c'est qu'est-ce que je prends toujours l'été? Thé et création gourmande. J'ai vu que d'été. Je vais goûter un. Et je crois qu'il est dedans, donc voilà. Ça, c'est pas pour moi. Hein. J'ai un même, mais en vert. Elle est dans l'armoire à thé. Je la montre parce que cette personne va pas sur regarder les vidéos, donc je vous la montre. Et là-dedans, donc il y a des thés. Et un petit truc pour mettre les thés dedans. Il y avait deux différentes, mais celui-là, ça faisait vraiment style Noël, je trouve, avec les gouttes. Parce qu'il a un degré royal, c'est noir. Donc c'est ça. Ouh. Donc le thé noir, vous connaissez. Et en plus, il y a des formations, donc c'est génial. Hop. En plus, les petits pots sont sympas. Nuit étoilée, je suis en train de regarder dans ma boîte. C'est celui-là que j'ai, rien n'est passé. Donc c'est avec du chocolat blanc, des étoiles en chocolat blanc. C'est trop beau. Il y a des... Ah, oh, ça ne veut pas montrer. Ah. Oups. Bon. Je crois que je ne vais plus ouvrir les boîtes à thé parce que tout se casse la gueule. Donc voilà. En plus, celui-là, il ne faut même pas rajouter de sucre. Donc il y a des morceaux de nougat aussi. Et des étoiles en chocolat blanc. Après, oh là là, j'ai en train de tout. Donc voilà. Donc c'est aussi, ça c'est pas un thé noir, ça l'a fait jaune. Après on a, je t'ai mis toi aussi. Secret des anges, je crois que je l'ai pris aussi dans mon sac. Je vais voir dans mon sac à moi, qu'est-ce que j'ai pris comme thé, pour moi et ma mère. Et j'ai plus de télé, super. C'est, j'ai goûté, c'est avec donc du thé blanc, vert et blanc, papaya, ananas
et fleur de cerise. Et il était bon. Donc ça donne ça à l'intérieur. Un peu coloré et tout. Merde. Ça sent bon. Elle était bon aussi. Pas besoin de rajouter sucre. Et après, détox, délicieux détox bien-être. Je sais pas comment ça se fait que ça c'était dedans, mais bon. Et ça c'est thé vert, ananas, thé noir, des carottes. Ah oui, il y a des carottes. Il y a après tous les trucs. Ah, ça sent bon aussi celui-là. J'aurais dû prendre celui-là aussi. Donc voilà la petite boîte pour offrir. Coffret à découvrir. Donc on a commencé. J'ai pris ça il y a 2 ans. L'année passée, j'ai pris un aussi. Pour ici. Du coup, il y a un pour mes parents, un pour nous. Pour moi aussi. Parce que mon frère en boit pas. Et là, c'est pour des amis. Avec eux, on va se fêter Noël. Donc je remets dans le sac. Comme ça, ma mère peut l'emballer moi. Dans mon sac. Ça, c'est mon sac. Ça, ça fait la poubelle. C'est bien d'avoir un sac qui marche. Qui est tout trempé. J'ai pris donc. J'avais 3. Je prenais 4 thés. J'avais un gratuit. Ouais. Donc j'en profitais. Comme ici, donc j'avais Nuit étoilée et Chérie Noël de l'année passée. Qui sont bons. Là, j'ai pris encore différents thés de Noël. Et ceux qu'on a adorés encore l'année passée. Des petites boîtes. Que j'avais montré là tout de suite. Mais qu'il n'y a pas dans celui-là, mais dans la mienne. Donc j'ai. Le thé du Père Noël. C'est avec le Père Noël. Là-dedans, il y a cannelle. Donc, notre arôme. Non, les recettes. Donc, arôme, cannelle, agrumes et épices. Donc, tous les trucs que j'adore. Recette thé noir, perles de bleu, goutte d'orange, acide, chou-rouf, cannelle. Tous les trucs dedans. Hop. J'ai pris Noël à Bruxelles. Donc comme le marché Noël à Bruxelles. Donc Noël à Bruxelles. Par contre ici ils ont marqué simple. Qu'est-ce qu'ils ont dedans? C'est plus pratique. Ils sont marqués aussi, même sur la grande boîte, la boîte que je viens de montrer. Ils marquent combien de grammes faut mettre, combien de minutes et la température. Donc c'est bien. Là-dedans, il y a thé vert, pomme, cannelle, perle de bougeois, bouche, les trucs, ouais, les tupleurs, et perle de rose, amande, orange, vanille. Ah, ma mère va pas le boire parce qu'il y a vanille dedans. Mais ça sentait bon et je crois que j'ai même le montrer. Non, je vais pas le faire. Ou tout le thé va traîner par terre. Après, j'ai rêve de Noël. C'était bon celui-là. J'ai dans la boîte ici chez moi. C'est avec thé vert. Ah, c'est un autre, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Parce qu'il y a les fruits et tout, donc celui-là était bon aussi. Reboys de Noël. Hey boys de Noël. Oh ma mèche, mes cheveux. Donc il y a le riboy, cette pomme, éclore d'orange, cannelle, coup de girofle. Pourtant on goûte pas ça dedans, c'est bon. Perle de rose, pétale de rose, désolé, c'est pelle de bleu, pétale. Et quelques trucs. Et mon cinquième. Thé, c'est celui-là que j'avais pris goûté au marché de Noël qui était bon. Et oh, c'est le secret des anges qui est aussi dans la boîte blanche que je viens de montrer. Donc j'ai l'impression qu'il remplit plus le paquet que l'année passée. Voilà,
ça, c'est du marché de Noël. Là. J'aurais cru acheter tout ce temps, mais j'ai dit non, non, non. Je vais pas faire parce que. Voilà, ça, hop. Je vais. Manga. Magasin manga. Leur sac, normalement, ils me donnent pas des sacs en papier. Et normalement, 9 fois sur 10, ils me donnent pas de sac. Là, ils m'ont donné un sac en papier. Il est aussi comme le Medinaza. Comme. Non, pas le Medinaza. Punaise. Comme Primark. Et là, j'ai acheté. Une tasse Harry Potter pour un ami. C'est les tasses magiques. Parce qu'il est fan d'Harry Potter. Du coup, je l'ai pris. Là, je ne vais pas dire le prix parce que c'est un cadeau. Hop. C'est bien, je suis avec plein de trucs bleus de Primark. C'est une tasse magique et c'est la carte. Quand on met de l'eau chaude, on a la carte qui apparaît. De Harry Potter. Et par contre, on peut pas le mettre dans le micro-ondes et pas mettre dans la vaisselle. C'est ça qui vient de dire le vendeur. Donc voilà. J'ai pris ça pour lui et une tapisserie. Ah ouais. Tapis de souris. Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter. Les animaux fantastiques. Bon. C'est aussi dans la même famille. C'est aussi. C'est pas les créateurs d'Harry Potter. Par contre, là, j'ai pas Tiquetas. Qu'est-ce qu'il y a là ? Non, c'est pas ça. Aïe. Et donc, c'est tous les baguettes du premier, pas du deuxième. Et il va y avoir un deuxième bientôt, hein. L'année prochaine. Il y a deux nez peut-être qu'il y a eu dedans. Mais bon, un tapis souris avec tous les baguettes tu. Premier film, les animaux fantastiques. Donc voilà. Après, j'ai en train de chercher le ticket de caisse. Je les laisse pas dans le sac. Sinon, je suis bien pour plein de temps. Après, donc pour eux. Oh. Pour sa copine, pour ma meilleure amie, j'ai pris ça. C'est un coffret de sushi, donc il y a deux baguettes, un couteau, ouais. Couteau, les petites boîtes, les petits bols à sauce, une tapis de souris, des trucs à bâtonner pour mettre les baguettes. Donc, donc on va jouer ce week-end, donc elle me fera plein de sushis. Sushi. Faut pas faire de soucis. Oui. J'avais trouvé la semaine passée, ouais c'était la semaine passée que j'ai été vite fait. Pour elle, pour quand on y va, au Japon, les whisky japonais. Du coup, elle dit, tu l'as trouvé où et tout ? À la Fnac. Donc ça aussi, ça vient de la Fnac. Donc hop, elle est toute trempée. Donc le couteau japonais. Par contre là, donc le couteau japonais, le tapis, les deux trucs, les deux baguettes et les deux petits pots que j'ai dit. Et le livre de cuisine qui est à l'arrière. Hop, ça c'est pour elle. Après pour eux. Regarde-leur. Eux. Putain, mais des marques pour connaître. Ah oui, pour les DVD de mon père. Pour son cadeau. J'ai pris ça à part. C'est pour moi. C'est pour finir mes cours japonais. Merde, ma petite boîte. Elle est là. Oh, mes cadeaux. Dans tes rêves, dehors. Je peux pas plus tard le faire. Pour. Je suis en train de faire ma vidéo. Oui. Pour le copain, j'ai pris ça aussi. Le geek apéro jeu. Donc ça, il a trois cadeaux. Elle a un écran. Merci pour les papitas. Pour mon père, j'ai pris. Toi, tu vas aux toilettes. Oui.
Donc, je disais que j'ai pris pour mon père le DVD, la série Viking saison 1, en Blu-ray. Donc voilà. Viking. J'ai pris des coffrets DVD de ça, le manga Les Sauvages des Zodiacs, le manga. Par contre, il y avait les trucs, je comprenais pas qu'est-ce qui était la différence entre les nouvelles et les vieux. Du coup, j'ai pris celui-là. J'ai pris le coffret de 1 jusqu'à 6. Et j'ai pris le coffret de 8. Non, de 6. Non, ça c'est de 1 jusqu'à 5. Là, c'est de 6 jusqu'à 9. Donc, ça fait vraiment un bon coffret. Donc, voilà. Et ma mère a pris pour mon père, que je dois aller chercher pour eux. Une coque téléphone qui va être modifiée. Une coque noire, mais elle va modifier. Et pour ma mère, j'ai pris ça. C'est un truc pour faire des petites plantes en l'air, dans le truc. Donc c'est un coffret avec des livres. Comment faire des trucs et tout. Donc je pensais ça, la pense. Ça, c'est un truc en plantes. Donc il y a encore des cadeaux qui doivent. J'ai les cadeaux de mon frère, mais je vais pas montrer parce que je sais que monsieur, si je les monte à la vidéo, il va regarder la vidéo. Et encore donc quelques cadeaux qui doivent encore arriver via la poste. Donc pour l'instant, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai vous à montrer? Donc je vous souhaite encore une bonne soirée. Et à la prochaine pour les prochaines vidéos à faire. Au revoir.